Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage qui est dédié à Albert Villemain. Alors Albert Villemain, c'est le grand-père du petit Grégory et l'époux de Monique Villemain, née Jacob. Ce monsieur a eu une vie des plus compliquées puisque dès sa tendre enfance, il a connu des grandes difficultés. En effet, son père est parti combattre pour la France, laissant sa ferme à son épouse et donc à ses enfants. Et lorsque celui-ci est revenu de la guerre, eh bien, il a trouvé une ferme vide. Sa femme était partie avec un soldat allemand et avait vendu tout leur bétail et ainsi que la ferme. Les enfants, les plus grands, avaient été placés puis récupérés par les oncles et tantes. Et la dernière était restée avec la mère et son soldat. Donc le père d'Albert s'est donné la mort, il s'est suicidé. Voilà pour son entrée dans la vie qui a été très complexe. Et de ceci, eh bien, est né un traumatisme pour lui. Donc nous allons essayer d'avoir quelques renseignements sur la personnalité en fait d'Albert dans un premier temps. Donc ici, on me parle ferme, on me parle lutte de pouvoir, honte, intimidé et humiliation. Eh bien, j'ai envie de vous dire dans un premier temps qu'on nous reprend complètement l'affaire dans ce que je viens de vous dire. On nous parle vraiment dans un premier temps d'un endroit, donc cette fameuse ferme, de lutte de pouvoir autour de ça, de honte, d'intimidation et d'humiliation. Alors, sur la carte de la ferme, eh bien ici nous avons la violence. Donc ce que je ne vous ai pas dit, c'est que la mère d'Albert a été accusée d'avoir tellement frappé l'un de ses enfants qu'elle l'a tué. Donc elle a été accusée de meurtre sur l'un de ses enfants. Elle l'avait frappé, il est tombé et s'est fait une blessure à la tête. Elle lui a mis un bonnet pour cacher ça. Et lorsque le père est rentré du travail et a voulu porter secours à son enfant, eh bien, il était trop tard. Il est décédé à l'hôpital. Donc ici, on me parle vraiment de violence. On me le confirme ici hein, avec cette personne qui est malade. Hein, vraiment, je pense que la mère d'Albert était une personne qui souffrait d'une maladie mentale pour avoir de tels comportements. En tout cas, voilà ce qu'on sait sur elle et voilà sur ce qu'on nous confirme à travers des cartes. Eh bien, c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a eu une énorme violence au niveau de sa vie personnelle, qu'il y a eu une lutte de pouvoir qui a rendu malade autour de lui. Il a eu honte par rapport à son éducation, par rapport à ce qu'on lui a transmis, qu'on lui a appris. Il y a une honte. Donc, je pense qu'autour de lui, on a eu de cesse de lui rappeler sa condition, hein. L'intimidation. Alors pour lui, avoir une intimité, et là on me parle d'intimité par rapport à son corps, hein, par rapport à son image d'homme, eh bien cela lui était impossible. Il avait une énorme faiblesse à ce niveau-là. On nous dit que c'est un homme qui a eu du mal à se construire, qui a été vraiment intimidé toute sa vie. Et c'est vrai, on peut le constater d'ailleurs dans les quelques images d'archives qu'on peut trouver. Eh bien, Albert se présente comme quelqu'un qui ne prend pas parole, baisse souvent la tête, se cache derrière son épouse. Or, en réalité, on nous la dépeint comme un homme violent. Jackie a pu dire qu'il ne se rappelait pas avoir subi de violence de la part d'Albert, mais qu'on lui en avait parlé. Ici, pour moi, c'est plus de l'ordre vraiment d'un mal-être, de quelque chose qui aurait peut-être pu se traiter en thérapie. Il y a vraiment un mal-être psychologique également. L'humiliation est recouverte par ce monsieur qui est recroquevillé dans son coin. Albert n'a jamais été considéré. Pour moi, c'est un homme qui n'a jamais été considéré et dans sa famille qu'il s'était créé avec Monique et ses enfants et également dans sa souche familiale personnelle, donc ses frères et sœurs et ses parents. Pour moi, c'est vraiment un homme qu'on a vraiment toujours dépeint comme un peu l'idiot du village, quelqu'un qui ne comprenait rien à rien, qui était malade des nerfs et il en a vraiment beaucoup souffert. Se vanter de liberté. Alors ça, je ne peux pas vous dire si c'est quelqu'un qui avait tendance à claironner qu'il était libre ou qu'il avait la possibilité de le devenir. Néanmoins, ici, on nous parle de cette possibilité de prendre son envol.
Par rapport, alors là, on a un rival qui l'a essoré, qui l'a complètement plié, qui l'a rincé. Alors c'est vrai que je n'ai pas pensé, mais ici, cet oiseau peut aussi nous représenter le corbeau de l'affaire. Et c'est vrai que ce corbeau a toujours eu le réflexe d'humilier Albert en parlant systématiquement de la vie de Monique comme une femme légère. Et comme d'Albert, comme d'un raté, quelqu'un qui ne servait pas à grand-chose dans cette famille. Effectivement. Donc il est victime, Albert, hein, pour les cartes. Victime, oui, de méchanceté, victime d'une sauvagerie, victime de mauvaises intentions. Il n'est pas du tout, pour moi, en tout cas avec ce jeu, responsable dans cette partie-là de ce qui a pu se produire. J'ai bien fait d'enlever la carte parce qu'ici, eh bien, avec la carte du partage, on me montre l'attribut masculin en forme que je vais retourner. Et pour moi, on arrive sur la notion de tromperie. Pour moi, Albert a été vraiment humilié dans sa vie et pas que par des personnes extérieures, visiblement. Ouh la vache! Oh, alors attendez. Là, j'ai la confusion qui est arrivée et j'ai deux cartes d'illustration, dont une qui représente cette fois-ci une femme nue. Donc, on a le partage de la virilité, le partage de la masculinité avec la confusion sur la femme. Et clairement, ici, hein, pour moi, Albert était au courant qu'il était trompé et que sa femme avait vraiment des problèmes avec ça. Visiblement, il savait aussi qu'il y avait peut-être une confusion sur l'origine d'un de ses enfants. Et la deuxième carte représentative d'illustration qui était collée, eh bien, c'est le décès. Donc pour moi, toute sa vie, en fait, Albert a été trompé par cette femme. Je pense qu'on peut nous parler clairement de Monique ici, puisqu'il y a une notion de désir, hein, donc plutôt du couple. Et on nous dit vraiment que cette relation l'a mené à sa perte, Albert. C'est un premier jeu que je trouve hautement intéressant et plutôt très parlant. Donc je vais mettre pause pour avoir le temps de battre les cartes du... J'hésite entre le grand était là et le tarot de la lumière et je reviens vers vous. Voilà tout ce qui m'est venu pour Albert. Donc on va continuer ensemble. J'ai voulu tirer aussi l'oracle de la voix des âmes pour essayer de voir s'il avait éventuellement quelque chose à nous révéler par rapport à la mort de Grégory. Alors je vais rester très ciblée sur cette question-là puisque le reste, comme je vous le disais, sa vie a été tellement compliquée que je préfère le laisser reposer en paix pour ça, mais voir si... Ah, enfant, d'accord, et éducation. Bon. Alors ici, c'est évocateur déjà au niveau des deux cartes qui ressortent, hein, puisque ben, on sait que malheureusement, c'est le petit Grégory qui est décédé de la suite de tout ce corbeautage, de toutes ces affaires d'humiliation, de toutes ces choses, ces rancœurs familiales, et bien c'est le petit qui a servi de punition. Donc ici, avec la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, je vais reprendre simplement le message de l'entité ici. On nous dit qu'il a eu un lien avec la personne qui a tué Grégory pendant son enfance. Et que cette personne sait très bien de quoi je suis en train de parler si elle regarde cette vidéo. Il nous dit qu'il n'a pas été un enfant heureux, mais qu'il sait que son âme n'a pas choisi cette expérience par hasard. Son but était d'être dans une énergie de résilience. Il nous dit, je sais que ton enfance a pu être aussi compliquée et que j'ai des excuses à te présenter. Et là, il s'adresse clairement à Grégory, hein, puisque ma question était d'avoir des explications sur Grégory et son décès. Il nous explique qu'il a la gorge nouée lorsqu'il repense à sa propre enfance et qu'il y a des choses qu'il ne pouvait absolument pas verbaliser. Alors, il nous dit aussi à travers cette carte qu'il demande pardon et qu'il a besoin d'être libéré. Alors ensuite, il nous dit qu'il a une certaine forme de regret, éventuellement ici, plutôt lié à sa sensibilité. Il nous dit qu'il a été vraiment trop sensible et quelqu'un du coup qui manquait d'équilibre émotionnel. Donc il nous dit que pour ça, c'est quelque chose qui l'a énormément épuisé, mais qu'aujourd'hui,
Il invite les gens autour de lui, les personnes qui restent de sa famille, à créer du positif autour d'eux. Voilà ce qu'on peut nous dire avec cette première carte. Et avec l'éducation, eh bien l'éducation au niveau de l'entité nous dit qu'il a été conditionné par son éducation, qu'il sait que c'était normal lors de sa vie passée de faire les choses parce qu'on lui les avait apprises, mais qu'il n'avait jamais pu vraiment être décisionnaire dans sa vie. Il nous dit qu'il pensait que les règles mises en place depuis toujours étaient les meilleures et qu'il pensait que c'était comme ça qu'on était une bonne personne en étant obéissant et qu'il fallait reproduire ce qui a toujours été fait sans chercher à définir de nouvelles règles. Il se rend compte que cela lui a fermé des choses sur des points de vue très importants et que ça l'a empêché de se remettre en question. D'ailleurs, il regrette de ne pas avoir su suffisamment se remettre en cause. Il dit que pour lui, les règles, les normes, les cadres étaient très importants. Il dit également qu'il a compris ce qu'il était venu accomplir ici. Il dit qu'il a eu besoin de faire la paix avec lui-même, que c'était compliqué pour lui, que ce poids de l'éducation l'a tellement empêché d'être lui-même sur Terre que ça a été compliqué pour lui après. Il a porté un masque toute sa vie. Il nous dit qu'il a appris à se fier à ce que veulent les autres plutôt qu'à ce qu'il voulait lui-même. Il nous a expliqué à travers cette carte qu'il a eu un apprentissage qui a perturbé ses propres choix. Il n'aurait pas grandi comme ça dans un autre foyer. Il nous dit aussi qu'il aurait dû redécouvrir sa beauté intérieure et se construire son propre cadre de référence. Donc ici, vraiment, on sent une énergie de regret et assez lourde. Hein. Je pense qu'il savait des choses, Monsieur Villemain, ici. Il a tendance à nous exprimer une sorte de regret. Donc il a eu, je pense, de très lourdes suspicions et il n'a pas été écouté. À voir avec les personnes qui connaissent vraiment bien l'affaire. D'ailleurs, je profite de ce petit moment pour vous remercier tous et toutes pour vos messages de soutien. Et je vais encore une fois vous demander, et je sais que c'est pénible parce que la plupart des gens n'arrêtent pas de faire ça sur leurs vidéos, mais si vous aviez la gentillesse de bien vouloir vous abonner, parce que je vois qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont vues et ça ne correspond pas au nombre d'abonnements. Alors, je vous remercie par avance pour ce petit geste anodin pour vous, qui pour moi présente un énorme avantage, c'est celui d'essayer de faire connaître mon travail. Et si vous appréciez ce que je vous propose, eh bien n'hésitez pas en vous abonnant. Vous pouvez vous aussi faire connaître ma chaîne grâce à cette action. Allez, c'est parti pour Albert. Alors aujourd'hui, Albert, ce jeu-là s'intéresse au dernier jour. On va dire avant le drame. Moi, j'ai essayé de positionner Albert dans sa famille, finalement, avant ce qui s'est passé autour de Grégory. Ici, on commence directement avec du bâton. Alors, ici, on nous montre le 4 qui est à l'endroit et on nous dit que c'est une personne qui était vraiment dans un mariage auquel il tenait par son confort. C'est quelqu'un qui n'avait pas peur d'être engagé. Et plutôt une personne qui aimait se retrouver en famille, avoir des festivités familiales. On nous présente avec cette carte la carte de l'empereur qui nous précise un petit peu le personnage que pouvait être Albert. Et on nous dit ici que c'est une personne qui représentait l'autorité. On nous dit que c'est vraiment la figure paternelle, que c'est quelqu'un qui, de nouveau, faisait preuve de rigueur, d'organisation, quelqu'un qui était très discipliné. Et qui eh bien, aimait avoir ce côté de protection autour de lui. Nous avons ici le 9 de denier et la reine d'épée retournée. Alors, ce 9 de denier, ici, représente, donc vous voyez, il y a une baleine. En fait, c'est une espèce de cercle entre le monde maritime, le spirituel et le monde du milieu. Ça a aussi une connotation chamanique dans ce dessin, je pense. Alors, ce 9 de denier nous indique une certaine indépendance financière
et plutôt un certain confort. Donc c'est quelqu'un qui se contentait de ce qu'il avait, qui n'avait pas forcément envie d'évoluer plus et qui était satisfait de son cadre de vie. Par contre, il était entouré d'une dame qui était d'une certaine froideur, une personne ici qui faisait preuve d'hypocrisie envers lui. Donc dans son couple, rien n'allait, il en avait quand même conscience, mais il faisait preuve de manque de discernement, il n'a pas agi. Le 3 de bâton ici avec le 7 de bâton retourné hein, dans les deux cas. Alors ici, ce 3 de bâton nous indique qu'Albert avait vraiment un refus d'évoluer, hein. Il se contentait de ce qu'il avait. Il avait pour certains un manque de vision sur le long terme et un gros manque d'ambition. Pour sa défense, il avait l'habitude d'avoir eu des problèmes, des gens qui lui mettaient des bâtons dans les roues, semble-t-il, et lui-même avait à cœur de protéger sa famille. En évitant d'agir, il pensait protéger. Et avec ce 7 de bâton retourné, on nous dit que c'était quelqu'un qui faisait vraiment preuve d'un gros manque d'endurance et qui se décourageait très rapidement. C'est une personne qui finalement ne se battait pas pour obtenir les choses et avait tendance à être relativement fataliste. Le cavalier de bâton avec le 4 d'épée retourné. Alors oui, le cavalier de bâton, si je réagis ainsi, c'est parce que je suis un peu étonnée de l'ambivalence du tempérament. Ici, on nous parle de détermination, à l'inverse de tout à l'heure, on nous parle de confiance en soi. On nous parle de charisme, de prise de risque, de quelqu'un de passionnel. Donc c'est pour ça que ça m'interpelle un petit peu. Mais nous avons également le 4 d'épée qui arrive retourné et qui nous parle de guérison, de sortie d'isolement. En fait, je pense qu'il y a vraiment la personnalité d'Albert quand il était plutôt en bonne santé et celle qui ressort quand malheureusement il a commencé à avoir des problèmes de dépression nerveuse, des problèmes nerveux importants. D'où l'ambivalence. 5 de bâton, As d'épée. Bon, alors les épées retournées, hein, c'est la confusion, c'est le manque de discernement, on nous parle de mauvaises idées, donc pour moi on parle vraiment ici de quelqu'un qui n'avait pas du tout... Qui perdait un peu la tête, qui n'avait pas déjà chez lui avant de vieillir, il n'était pas écouté, c'est pas quelqu'un qui était pris au sérieux. On ne le respectait pas, on peut parler d'un manque de respect, et puis par la suite, ça l'en a rendu malade. Et ici, avec cette carte, on parle de tensions qui seraient apaisées, d'une espèce de cohésion d'équipe, toujours autour de cette reine froide. Donc, pour moi, il y a eu une sorte d'avant-après dans la vie d'Albert. Il a réalisé, je pense, qu'il s'était fait rouler dans la farine en épousant cette femme. Et le 8 de coupe, alors le 8 de coupe, pour clôturer cette partie du jeu, ici, nous parle d'introspection. Il voulait quitter une situation qui lui était décevante. Comme je vous dis, j'ai l'impression qu'il n'a pas mesuré au départ l'enjeu qu'il a pris en épousant Monique. C'est comme s'il avait réalisé petit à petit son arrivée dans un nid de vipères. C'est comme ça que je le ressens. Et Albert, qui pour le coup a pourtant accueilli une femme enceinte d'un autre homme à cette époque, ce qui était plutôt très courageux et très inhabituel, a été maltraité par l'ensemble de sa belle-famille quasiment toute sa vie, il a été moqué, il a été raillé même parfois par ses propres enfants, ce qui a valu des bagarres aussi. Et je suis étonnée parce qu'à cette époque, le père avait quand même une certaine assise dans les familles de campagne, et Albert semble s'être laissé guider et par sa femme et par ses enfants. En tout cas, de ce qu'on en a vu, là pour le coup, c'est vraiment une interprétation liée à ce qu'on en a vu et su médiatiquement. Je vais prendre d'autres cartes pour essayer d'avoir plus de renseignements sur l'implication d'Albert ou non dans le corbeautage et puis dans le décès de son petit-fils Grégory. Toujours sur la dame froide. Je vais compléter. Voilà. Ce crime est odieux et puis surtout, il est compliqué aujourd'hui d'imaginer qu'un jour, il sera résolu puisque les gens décèdent les uns après les autres. Hein. On est sur des personnes âgées, donc
J'aimerais vraiment pouvoir en avoir le dernier mot moi aussi, mais je ne suis pas sûre. Alors le 6 de coupe qui arrive ici nous parle d'innocence. On nous présente Albert comme un personnage un peu simple, qui a beaucoup de souvenirs du passé. Il a vraiment un monde lié à l'enfance qui est encore très présent chez lui. Et je pense que c'est lié au trauma qu'il a pu subir durant son enfance ici. C'est une personne qui était pourtant plutôt généreuse, qui savait se montrer disponible pour autrui. Alors cette reine de deniers qui devient redondante hein, dans ce tirage, ici donc retournée nous annonce une dame qui est vraiment très matérialiste, qui est très excessive, très carriériste. Donc une femme vraiment qui n'est pas dotée de bonnes intentions envers lui. Après, nous avons le roi de bâton, ce roi de bâton qui représente plutôt une personne qui aurait un leadership. Quelqu'un qui serait visionnaire et qui est déterminé pour atteindre ses objectifs. Donc on ne nous parle pas d'Albert ici, on nous parle de quelqu'un autour de lui. On me dit peut-être, alors je vais voir avec cette carte, donc c'est le 10 de bâton. J'aurais dû mettre mes lunettes. Le 10 de bâton retourné, donc on nous parle de repos, de prise de recul, de partage des responsabilités. Donc oui, pour moi, il y a un amant dans l'histoire. Pour moi, clairement, au moment ici où Albert craque. Son épouse qui serait infidèle, on va parler au conditionnel, recevrait une aide régulière de la part d'un homme fiable, d'un homme qui a plus de pouvoir qu'Albert. Et ici, eh bien, le 10 de bâton nous parle vraiment de cette relation, hein. En arrivant renversé, comme je vous le dis, cette carte nous parle de quelqu'un qui est beaucoup plus dans le soutien au niveau de la famille que Albert lui-même. Là, on a le 5 de denier de nouveau, encore une fois sur une carte renversée. Hein. Et on nous parle d'une situation qui lui a permis de sortir la tête de l'eau. On dit qu'il y a eu un soutien financier à un moment donné. On peut nous parler d'une amélioration quant à sa santé aussi. C'est vrai que c'est en dents de scie. Le 8 de coupe, qui lui est encore une fois retourné, eh bien ici nous indique. Que d'ailleurs, je crois qu'on l'a déjà eu dans le tirage précédent, si je ne m'abuse. Donc là, du coup, on est sur la peur du changement, une difficulté à lâcher prise. C'est quelqu'un Albert, en fait, ne voulait pas quitter cette situation. Donc il savait ce qui se passait, mais il ne voulait pas changer son quotidien avec Monique. On a le 6 de denier, et ce 6 de denier à l'endroit nous apporte encore une fois. Un certain soutien financier. Donc il semblerait quand même qu'Albert ici ait eu de l'aide à un moment donné. Donc on va en savoir plus, je pense, avec le grand était là. Je vais faire les deux. Je me posais la question. Et ben, quand on n'arrive pas à trancher, autant faire les deux. Je mets pause et je reviens dans pas longtemps avec un nouveau tirage. Me voici de retour. Donc pour la coupe du jeu, j'ai tiré la colère. Ce n'est pas étonnant puisque je crois que ce monsieur était quelqu'un qui était très colérique et qui savait parfois péter un peu les plombs, si j'ose parler ainsi. On nous parle avec ça d'une zizanie au sein de la famille, d'un deuil possible. Alors, sans plus attendre, j'ai retourné tout de suite les cartes. Nous avons la tempérance, la probité, l'homme de robe, l'excès. La maladie, l'infortune et le négociant. Pour moi, ma question clairement, c'était quel est le lien entre Albert Villemain et le corbeau et l'agresseur de Grégory et ces gens-là. Donc, pour moi, ici, on nous reparle de tempérance. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est l'apocalypse, cette carte. On nous parle ici de l'ange de l'Apocalypse et on nous demande de faire preuve de dévouement et d'abnégation parce que c'était le seul moyen pour s'en sortir. S'ensuit la probité. Alors la probité, comme je vous le disais dans d'autres tirages, dans d'autres jeux, c'est une carte qui est représentée par le pape. Et ici, on nous dit qu'il y a une somme qui est remboursée, quelque chose qui est rendu. On nous parle d'un prêté pour un rendu et dans cette affaire, on peut nous parler de quelque chose qui aurait eu lieu par le passé dont on souhaiterait rendre la monnaie de sa pièce. Qu'est-ce que je peux vous dire? Eh bien, c'est que bien souvent, c'est un homme qui est proche de la personne pour qui je fais le tirage, donc pour Albert.
S'ensuit l'homme de robe. Alors l'homme de robe, c'est toujours la loi qui est représentée avec cette carte. On nous présente ici un personnage qui est sous forme d'un empereur, mais on nous parle d'avocat, de juge, d'huissier. Et on dit ici qu'Albert a vraiment fait confiance à plusieurs ou un seul avocat, mais qu'il s'est réellement confié sur ce qu'il savait et sur ses doutes. S'ensuit la carte de l'excès qui est l'as d'épée et qui dit que pour lui, en réalité, ce qui se passait n'avait pas vraiment d'importance. Il savait ce qu'il en était. Il n'avait pas envie qu'on vienne enquêter plus que ça parce que pour lui, bien entendu que tout ce qui se passait était très grave, mais il était hors de question pour lui d'être considéré comme coupable puisqu'il n'avait rien à voir à ses yeux. Et nous avons la carte de la maladie qui nous dit soignez vos nerfs. Et on a appris hein, qu'il a eu des pertes de mémoire et comme la carte est à l'envers, ici on nous parle d'amnésie. Effectivement, ici, je pense que tous ces tracas précédents ont accéléré la maladie d'Albert et ses pertes de mémoire. On nous parle d'ailleurs d'infortune par la suite. Et l'infortune, avec ce 9 de bâton retourné, dit que la chance ne va pas lui sourire. Donc il a cumulé et joué de malchance autour de lui, en plus d'être mal entouré. On nous parle de négociant, et c'est un sultan qui est représenté, et ce n'est pas toujours une personne bien sympathique. Et pour moi, on nous parle du corbeau ici. On nous dit que c'est quelqu'un qui est mauvais et qui n'a pas de vergogne dans les affaires. D'ailleurs, on voit qu'il est entouré d'infortune et de séparation, hein, donc de mauvais augure. Et cette carte de séparation, alors ici, représentée par le chevalier de guet, et on nous montre qu'il est retourné. Donc on nous dit que tout va mal en fait avec Monique ici, hein, c'est la catastrophe. Il a fallu lutter pour éviter une séparation définitive. Donc les appels incessants de ce corbeau et les rumeurs ont vraiment joué sur le moral et la santé du couple. Les soupçons d'ailleurs suivent cette information et on nous dit clairement ici qu'il avait des soupçons et qu'il en avait plutôt raison parce que ses craintes étaient fondées. Albert portait sûrement quelques accusations ou quelques soupçons sur des personnes et il avait raison. D'ailleurs, on nous parle d'héritage, donc on peut de nouveau se dire qu'il avait peut-être découvert qu'il s'agissait tout simplement de protection d'un patrimoine et que ce qui pouvait poser problème à ce corbeau ou aux personnes qui ont agi pouvait résider dans des terrains ou dans quelque chose qui a été remis à Jean-Marie ou à Albert de manière injuste selon le corbeau. Cela est une faiblesse, hein, puisque nous avons le cas de force majeure qui arrive à retourner et on nous dit que quelqu'un de son entourage pourrait, c'est fou, en fait ici on nous parle de rapt, on nous parle, attention, d'un rapt en fait, donc d'un kidnapping possible. Bon, bah, très bien, et donc après la carte qui suit c'est donc le travail courant. Alors oui, le rapt a eu lieu effectivement pendant une journée de travail qui était classique pour tout le monde, mais ce qu'on nous dit surtout avec cette carte retournée, c'est qu'on pourrait avoir quand même un dénouement dans cette affaire. On pourrait finalement, alors avec cette carte, je suis étonnée, au moins apprendre quelque chose sur les personnes qui étaient présentes. Alors je pense qu'on a mis le doigt clairement sur quelque chose pendant longtemps, mais que malheureusement, ici, la carte de la médiocrité indique qu'on a préféré rester sur les soupçons initiaux, qui pourtant n'était pas fondée. Donc c'est un choix. Oh. Un choix. Alors c'est intéressant. Pourquoi serait-ce un choix? Donc on nous parle de kidnapping. On nous parle de travail courant. Donc de dénouement positif. Mais on nous parle aussi de médiocrité. Donc d'humiliation. Ouais, pour moi, on n'a pas voulu punir forcément Jean-Marie et Christine. On s'en est pris aux grands-parents là. Et d'ailleurs, l'embarras ici, ben, ça nous exprime l'impossibilité d'Albert en fait à se sortir de cette situation de son vivant. Hein.
On a voulu vraiment lui ruiner sa vie. Mais contrairement à ce qui a pu être dit, on aurait pu étudier plus les générations précédentes parce qu'ici, dans ce jeu, je ressens fortement, fortement qu'on avait une haine viscérale ancestrale. Je vais terminer le tirage sur Albert en essayant de prendre uniquement des cartes d'illustration, voir ce que ça peut nous apporter éventuellement comme information complémentaire. On va voir si ça peut nous dire quelque chose de plus qui pourrait être intéressant concernant Albert Villemain. Je vais prendre le Résilio parce que son nom me parle de résilience, là en l'occurrence. Et pour Albert Villemain, je pense que c'est un mot qui correspondait vraiment. Donc là, je ne vais pas les disposer, je vais les prendre comme elles me viennent. Donc, on a la création de la vie, une bouture, quelque chose de lié à l'enfance peut-être. Les chaînes. Albert dans l'affaire du petit Grégory. On voit le téléphone ici, comme pour Monique. Hein. Le corbeau est présent. Ça s'est resserré comme un étau. Un enfant apeuré. Alors, c'est possible hein, que je ne sais plus si elle est ressortie celle-ci. Mais en tout cas, non, Grégory, pour moi, a été séquestré pendant un temps. Parce que les horaires ne correspondent pas entre le moment où il a été enlevé et le moment où on l'a retrouvé dans la Vologne. Sachant que visiblement, il n'est pas mort noyé. Il y a quelqu'un qui l'aurait gardé, je pense. Donc, Albert ou pas. On l'a pris en voiture. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est intervenu avec un véhicule. Le théâtre, Albert, bah alors écoutez, là il nous a bien joué la comédie, semble-t-il, quand même. On nous montre les télécommunications, les appels, ici peuvent être représentés, et on nous montre, pour moi, un chef d'esprit, hein, celui qui commande. Encore des écrits, donc il a pu corboter, hein, des réunions secrètes. La victoire et l'enfant tout seul dans un coin. Alors, je vais reprendre tout ça. Je vais poser la question suivante. Est-ce que Albert Villemain était présent au moment de l'enlèvement de Grégory? Alors, pas au moment de l'enlèvement précisément, mais est-ce qu'il était présent au moment où Grégory a été séquestré et assassiné? Est-ce qu'il était là? Est-ce qu'il savait? Est-ce qu'il était prévenu de ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, comme information sur le rôle d'Albert Villemain dans la mort de Grégory? Il y a quelque chose de caché, il y a quelque chose de l'ordre de l'obstruction ici. Hein. De nouveau, le corbeautage. Je n'ai jamais eu cette carte pour le moment, c'est la première fois. On me montre quelqu'un sous la pluie, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui essaye de s'abriter, quelqu'un qui reçoit tout. Pour moi, il a été vraiment lourdement, lourdement maltraité. Ça me parle de dépression, de larmes ici. Alors j'ai la carte de la ville ici qui est arrivée. Albert, 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 qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à toi et la famille de Jean-Marie? Alors on me parle de nouveau de télécommunications. Ah, c'est inquiétant hein, parce que si on me montre ça, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, Albert a donné des informations? Ou aurait pu participer lui-même au corbeautage. Un homme qui fume. Bon, ça peut être assimilé à de la détente, à de la concentration aussi. Il y a l'enfant tout de suite. C'est pas très clair, hein. C'est vraiment pas très clair, mais j'ai pas l'impression qu'il soit totalement anodin non plus quand je vois ça. Alors ça, c'est ennuyeux parce que dans mon mental, j'aurais pas imaginé du tout. Donc je ne sais pas quoi faire de ces informations qui pourtant me montrent. Alors
Je vais changer de jeu, hein. Je vais essayer d'avoir clairement des réponses plus évidentes. On va voir. Je vais ranger ces cartes tout de suite. Je me pose et je reviens avec un autre jeu dans lequel je vais poser la question de, eh bien, du rôle finalement et de ce que pouvait savoir Albert par rapport à la situation qui est arrivée. Un dernier tirage concernant Albert, donc avec le tarot des oppositions. Ici, le 9 de Pentacle qui m'arrive retourné nous indique qu'il y a eu quelque chose de caché, un gain qui a été caché. Quelque chose qui ne les a pas rendus riches financièrement. Hein. Quelque chose qu'on leur a fait croire et qu'ils n'ont pas vraiment pu percevoir. Je dis ils n'ont parce qu'il y a un homme et une femme. On nous dit ils ont espéré en quelque chose qui n'est pas arrivé. On dit également que seul leur travail aurait pu être bénéfique, mais que la façon dont ils s'y sont pris n'était pas correcte. Donc ils n'ont pas pu obtenir un certain gain qu'ils attendaient. Le 4 de Pentacle retourné nous parle aussi de séparation, de solitude, de tristesse. On nous dit qu'il y a un grand côté matérialiste autour d'Albert et que cela, en fait, a créé une faille autour de lui. On lui aurait conseillé d'abandonner cette attitude renfrognée qu'il avait pris l'habitude d'avoir au fur et à mesure des années. Et qui l'éloignait finalement de l'ensemble de ses proches, puisque de par son tempérament, il faisait fuir, semble-t-il, avec ses cartes, beaucoup de monde qui n'appréciait plus sa compagnie. On nous montre ensuite la carte du diable. Ici, pour moi, donc la carte est retournée, hein, bien évidemment, puisque l'autre côté est un ange. On nous dit qu'il a oublié la lumière et que ce mot, en fait, n'était pas qu'un simple mot. Que la lumière résidait en chacun des membres de sa famille. On nous dit qu'il a peut-être été complètement subjugué et hypnotisé, comme attiré par magnétisme envers des biens matériels ou envers une autre personne, mais que cela n'était pas positif, c'était une vraie tentation. On nous parle aussi d'addiction ici avec le diable. On nous parle d'addiction à l'alcool, aux drogues. À quelque chose qui fait perdre la conscience, ça peut être aussi les médicaments. On dit ici qu'il aurait pu faire mieux de sa vie, mais qu'il n'en a pas été capable à cause de ça. Et en fait, on nous dit qu'il y a eu une certaine forme de fatalisme en lui, hein, vraiment. C'est quelqu'un, excusez-moi, c'est quelqu'un qui avait perdu l'habitude de lutter pour les choses qui lui tenaient à cœur. Nous avons ensuite cette carte du 2 d'épée qui est représentée également de manière négative et qui nous parle de tentation, qui nous dit qu'il aurait mieux fait de choisir la paix et qu'il aurait été moins déçu. Il a eu beaucoup de mensonges et de combats en fait. Hein, derrière son apparence tranquillité, eh bien, il n'en était rien. On dit qu'ici, on a beaucoup parlé sur lui, que c'est quelqu'un qui a été vraiment très critiqué dès qu'il n'était pas là, et que cela a eu des mauvaises conséquences pour lui. Il aurait pu en fait s'entourer mieux pour ne pas se retrouver dans cette situation, parce qu'en réalité, il a rendu service à Monique, mais lui, il s'est tiré une balle dans le pied. On me montre quelqu'un qui n'a pas pris soin de lui. On me dit qu'il aurait pu avoir une vie très différente et qu'il estimait ne pas valoir plus que ce qu'il avait. Donc, il s'en est contenté. Alors c'est vrai qu'on peut paraître un peu dur hein, parfois quand on dit les choses, donc je vous prie de m'en excuser. Mais c'est ainsi que ça me vient et je n'ai aucun jugement pour cette famille, hein, évidemment. Donc nous avons après donc le bâton qui arrive, le 2 de bâton, toujours négativement. On nous dit qu'il a certainement sous-estimé les difficultés avant de passer à l'action,
que c'est quelqu'un qui n'était pas bien entouré, on ne l'a pas bien conseillé. On lui dit qu'avant de quitter la proie pour l'ombre, eh bien, il aurait mieux fait de se préparer. On nous dit ici qu'il n'aurait pas dû croire tout ce qui lui était raconté et qu'il aurait ainsi pu beaucoup plus mesurer les obstacles. On nous dit ici qu'il n'a pas fait preuve d'intelligence et qu'il a été vraiment trop soumis à ses émotions et que cela lui a porté préjudice et a accéléré une maladie. Et nous avons le 4 de bâton tout de suite derrière de nouveau retourné qui nous dit également qu'il y a eu un retournement de situation. Que si dans sa vie les choses semblaient être plutôt stables et que sa famille grandisse dans des normales conditions, eh bien ici tout a changé d'un coup. On nous dit que ce qui s'est passé en fait a été une situation intenable pour lui. Qu'il a vécu quelque chose de manière figée et qu'il a été traumatisé par ce qui s'est passé. On nous dit qu'il a été ouais, comme anesthésié face à une situation. On lui a demandé de pouvoir porter secours, de pouvoir aider sa famille, mais il en était incapable. Au-delà de sa volonté, il ne le pouvait pas. Nous avons ensuite encore du bâton hein, qui arrive avec le 8 ici, qui représente un enfant qui court. Et on nous dit que tous les espaces de vie dont il avait besoin pour agir, tout ce qui l'entourait était plutôt favorable. Mais il n'a pas su en profiter. Il n'a pas su prévoir le futur. On nous dit ici qu'il avait tout pour avoir une attitude positive, du pouvoir, qu'il avait entrepris dans son coin. Des choses qui l'intéressaient, semble-t-il, peut-être des activités personnelles qui lui permettaient de s'évader. On lui dit qu'il a eu le choix, en fait, dans ses actions, et il n'a peut-être pas su mesurer les conséquences de celles-ci. Il s'est enfermé dans une tour d'ivoire, c'est ce que j'entends. On a vraiment une notion de vie gâchée. Après, on a l'empereur hein, qui est présent et qui est à l'endroit. Cet empereur qui nous dit qu'il gouverne beaucoup de responsabilités, qu'il est là pour redistribuer les honneurs, être loyal, être toujours dans la mesure, que c'est une personne qui, à la base, savait mener sa famille, qu'on pouvait pratiquer autour de lui une certaine médisance, mais qu'il avait enfin, qu'il en accordait pas vraiment d'importance. On nous dit que sa vie eh bien, était sur le point de pouvoir basculer sur une période matériellement plus favorable au moment de l'incident et de l'accident et du décès, et que sa famille le suivait. On nous dit qu'il avait l'impression d'avoir construit son petit empire et d'être arrivé à la fin de ce qu'il avait à accomplir pour rendre sa famille heureuse. Il se sentait capable en fait de prospérer avec sa force, avec ce qu'il avait pu donner comme éducation et le fait que chacun de ses enfants commençait à être autonome. Donc ça, c'était quelque chose de positif pour lui et il se sentait soulagé. Le roi de Pentacle ici, qui arrive également à l'endroit, nous annonce plutôt des nouvelles positives et nous prépare pour une bataille. Dans laquelle il a dû être très vigilant pour essayer de ne pas ressortir coupable et perdant. On lui dit qu'il a dû faire très attention à lui-même et faire du tri au niveau de ses amis et de ses collègues. On nous dit également que c'est une personne qui était observée aussi par le corbeau. Hein. Je pense qu'il a fait partie des personnes qui ont longtemps été observées. Parce qu'il y a des choses qu'il ne savait pas. Nous avons le 2 de Pentacle qui dit ici qu'il était temps qu'il reprenne ses responsabilités dans sa famille et qu'il dirige de nouveau celle-ci. Il avait de nouveau, au moment du décès de Grégory, semble-t-il, récupéré un peu de dynamisme et il se sentait capable de pouvoir reprendre sa place dans le foyer, toujours au moment du décès. Hein. Et l'as de Pentacle qui le suit et qui arrive à l'endroit nous dit qu'il avait vraiment cette énergie, cette inspiration et qu'il était même encouragé autour de lui. Les gens voyaient qu'il changeait et qu'il faisait des efforts.
Donc c'était un bon moment pour lui, c'était aussi une période où ils auraient pu envisager, pourquoi pas, de pouvoir partir un petit peu en vacances, prévoir une nouvelle activité, concevoir de nouveaux business. C'était une période qui aurait pu être très faste pour eux et qui s'annonçait plutôt florissante. Donc pour moi, il n'y a pas de raison ici que ce monsieur qui semble avoir été plutôt bien dans sa vie à ce moment-là ait tout fait pour la rendre compliquée en tuant son petit-fils. Nous avons la reine qui arrive et cette reine ici est positive également. On nous dit qu'il y a eu un regain de beauté dans tous les aspects de sa vie avant le décès de Grégory, que c'était une vie beaucoup plus paisible qui commençait à se dessiner malgré les appels du corbeau, malgré certaines tensions familiales. Eh bien, une certaine harmonie commençait de nouveau à poindre son nez, semble-t-il. Et au niveau des amitiés également, les gens commençaient à avoir envie de se rapprocher à nouveau d'Albert. Ça ne me parle pas, mais si cela vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Le 8 de Pentacle, ici, est arrivé aussi de manière positive et on nous parle d'une personne professionnellement et personnellement en train de grandir. On nous dit que c'est une personne qui n'avait pas du tout confiance en lui, qui avait dû se construire tout seul et qui, grâce avec le temps qui passe, l'expérience, arrivait à ressentir enfin une certaine fierté. Le 6 d'épée ici nous dit qu'il avait confiance et courage et qu'il commençait à avoir également aussi parfois quelques petits moments de reconnaissance. On pouvait de plus en plus parler. Ce qui était devenu très rare avec lui. Les journées étaient quand même beaucoup plus agréables pour lui et il les subissait moins à ce moment-là. Le 8 d'épée ici retourné nous annonce qu'il s'est senti prisonnier de son cerveau. Pour être honnête, il a essayé de comprendre toutes les causes de ses chagrins, de son état mental, de tout ce qui résidait en son cerveau. Et qui était une part très sombre de lui, une part de frayeur et de peine immense. En réalité, cette maladie guidait à chaque fois tous ses faits et gestes. Il a été vraiment très difficile pour lui de prendre des décisions. C'est une personne qui a cédé à la dépression et qui petit à petit s'est enfoncée dans cette dépression-là jusqu'à en perdre, semble-t-il, la mémoire. Et nous avons là le page de. Alors, ce page-là, il est arrivé à l'endroit et on nous montre qu'il y a eu beaucoup de spontanéité, de simplicité dans sa manière de s'exprimer, que c'était quelqu'un qui n'avait plus la possibilité de mettre les formes lorsqu'il parlait. Il n'arrivait plus à calculer ce qu'il disait et il a été mis à l'isolement pour ça. Je pense qu'on a eu peur de ce qu'Albert aurait pu dire de par sa maladie. Voilà ce tirage sur Albert Villemain. J'espère que celui-ci vous aura intéressé. Je vous posterai en parallèle un autre sujet pour les personnes qui en ont marre d'entendre parler de l'affaire du petit Grégory et des protagonistes. Je vous remercie à tous et toutes de bien vouloir liker cette vidéo et si vous le souhaitez, la commenter. N'hésitez pas à venir me contacter sur mon compte Instagram, l'intrigante. Et sur mon compte Facebook, ce sera avec plaisir si vous avez des sujets à me proposer. J'aime autant que si vous pouvez me les proposer sur mes réseaux, parce que je ne vois pas forcément tous les commentaires sur YouTube et j'aimerais pouvoir répondre au plus grand nombre d'entre vous. Merci d'avoir été présent et à très bientôt pour une prochaine vidéo.